Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat. Mais vous me connaissez, j'aime bien avoir un discours franc. Je fais la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion, la vulgarisation. J'écris des bouquins pour les plus jeunes, pour les plus grands. Je forme des personnes, etc. On fait des vidéos parce que l'entrepreneuriat, je pense que c'est une des seules portes de sortie pour notre génération et pour celle à venir en raison de la situation que nous connaissons sur le continent, le taux de chômage galopant, la démographie qui va doubler depuis 2050 et de nombreuses autres raisons. Mais. Pour être entrepreneur, il faut être conscient d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas non plus un pays de bisounours. Ce n'est pas un statut, je appellerai ça comme ça, qui vous confère tous les bienfaits de la terre. C'est difficile, il y a de nombreuses choses qu'il faut savoir, il y a des embûches sur le chemin. Et aujourd'hui, on va parler justement de ces embûches-là, sous un angle assez particulier, que peu de gens évoquent. L'entrepreneuriat et la vie sentimentale. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entrepreneurs qui sont malheureux en amour ou qui ont des vies sentimentales désastreuses, pour dire les choses de façon beaucoup plus claire? Eh bien, on va voir aujourd'hui 5 raisons qui justifient cela. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas facile de concilier les deux. Est-ce que réussir en amour, vous condamne à échouer en amour? Je n'ai pas la réponse, mais j'ai des éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi c'est difficile et qui vont vous permettre d'anticiper. Parce que quand on sait quelles sont les difficultés ou les causes, on peut justement essayer d'endiguer le mal à la racine ou faire certains efforts, certains aménagements si on a envie d'avoir une vie plus ou moins équilibrée. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saisy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. C'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Ici, on parle également de mindset, on parle d'éducation financière. Bref, on aborde autant de sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Notre slogan, soyons rock, signifie rêver, oser, créer. Vous comprenez donc le mantra Welcome on board, bienvenue à bord. Abonnez-vous pour rejoindre cette communauté qui s'agrandit tous les jours. Alors, pourquoi les entrepreneurs ont du mal à s'épanouir sentimentalement? Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. Je suis moi-même entrepreneur depuis 15 ans et je peux vous dire d'expérience que je comprends que ce soit difficile pour vous si vous êtes entrepreneur et que vous vivez cette situation ou que vous devriez prendre les choses à cœur de ce point de vue-là. Si vous n'êtes pas encore entrepreneur et que vous envisagez de le devenir, parce que ce n'est pas simple. Très honnêtement, j'ai moi-même traversé des moments très difficiles avant d'avoir une certaine stabilité. OK ? Et je vais vous parler aujourd'hui de 5 raisons qui sont les causes principales. Voilà, comme on pourrait dire, la racine du mal. Je vous demande de suivre attentivement et de regarder jusqu'à la fin parce que la 5e est selon moi la plus importante, la cause la plus profonde, la plus récurrente même. Et il faut trouver une solution à chacune de ces causes, mais surtout la dernière. La première raison, c'est le manque de temps. Ça paraît évident, mais on n'y pense pas souvent. Parce que quand on est englué dans le développement de son projet, on se dit « ça va aller, je vais gérer, patati, patata, etc. » Mais les entrepreneurs, généralement, bossent 2-3 fois plus que les salariés, par exemple. Ils n'ont pas le choix. Et ça, je l'ai partagé dans une vidéo récente que je vous invite à aller regarder, où j'explique que les entrepreneurs sont des esclaves modernes, qui rêvent de liberté, mais qui en fait sont enchaînés de tous les côtés. Cette vidéo vous édifiera si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez le devenir. Vous pouvez regarder sur la chaîne. Le temps que l'entrepreneur passe au bureau n'est même pas comptabilisable parce que il n'a pas de contrat, même s'il a un contrat qu'il a embauché, que tout est carré dans sa gestion. Il ne respecte pas la masse horaire. C'est son business. Il doit fournir plus d'efforts que tout le monde pour que ça marche. Et on a tendance à penser qu'au début, on va beaucoup travailler, que ça ira bien après, un peu mieux, qu'on aura moins de boulot. C'est totalement faux. Généralement, le piège, c'est que plus la boîte grossit ou les boîtes grossissent, eh bien, plus vous vous retrouvez piégé à devoir gérer les nouveaux challenges, les nouveaux défis. Et vous avez justement cette pression-là parce que ça ne doit pas tomber. Ah ben oui, quand on monte, hein, comme on dit, le plus difficile, ce n'est pas d'y arriver, hein, c'est d'y rester. Regardez par exemple Elon Musk, bah, il est connu pour ses longues journées de travail, c'est un workaholic comme on dit.
Et ça a créé de nombreuses difficultés dans ses différentes relations. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4 mariages qu'il a eu. Bref, il en parle ouvertement, comme beaucoup d'autres chefs d'entreprise. Moi, qui vous parle, il fut une période pendant de longues années où j'étais au bureau à 7h du matin et je ne rentrais pas avant 21h, 21h30, parfois 22h. Et ça, c'est hors période de gros pic où on a un événement à organiser, où là, on reste jusqu'à pas d'heure. Vous vous imaginez, je voyais très peu mes enfants. Forcément, ça affecte la famille, parce que qui dit vie de couple dit vie famille, en fait. Je voyais peu mes enfants, je ne me rendais pas compte à quel point cela pouvait moi-même m'affecter au-delà du couple. Et j'ai fini par me rendre compte, j'ai essayé progressivement de faire des aménagements. Ce n'est pas facile du tout. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est le stress et la pression. L'entrepreneur vit sous pression tout le temps. Il vit sous pression parce qu'il a des comptes à rendre à tellement de personnes, différentes personnes. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai évoquée tout à l'heure. Il est esclave des employés, il est esclave, esclave entre guillemets, bien sûr. Hein. Il est esclave des clients, il est esclave des associés, s'il y en a, ou des banques, en tout cas, tous ceux qui financent l'entreprise. Il est esclave de l'État parce qu'il doit payer des taxes. Bref, il a une pression constante, même ses employés, en fait, bah, il doit les gérer, comme on dit. Donc, il est esclave aussi des employés. Et du coup, la pression de l'entrepreneur est tellement folle que, assez souvent, malheureusement, il va la reporter sur sa vie privée, sa vie perso. Et moi-même, ça m'est arrivé longtemps, encore une fois, de trimballer le stress et la pression du bureau jusqu'à la maison. Alors qu'il faut trouver le moyen de laisser le stress du bureau là où il est pour ne pas polluer la maison. Steve Jobs en parlait régulièrement. Il disait que c'était une des raisons pour lesquelles c'était très difficile pour lui d'avoir une vie de couple, quoi, parce qu'il était tout le temps sous pression et il fallait toujours aller plus loin, plus haut, plus fort, comme on dit, plus loin, plus haut, plus fort. Et ça, forcément, c'est difficile parce que les gens autour de vous, ben, ils en paient souvent les frais. Donc, vous devez trouver le moyen de développer votre intelligence émotionnelle et de gérer votre stress. Ça, ça prend. C'est pas simple, mais ça s'apprend. Si vous avez besoin de coaching pour avancer là-dessus, n'hésitez pas à booker une heure justement de coaching avec moi. Le lien est en description. Et pendant cette séance-là, je peux partager avec vous mes conseils en fonction de mon expérience. Ça fait plus de 12 ans que j'accompagne des clients dans le monde sur plusieurs sujets, principalement en Afrique, dans le monde, mais principalement en Afrique, sur des questions de business en priorité et de développement personnel aussi, sachant que les deux sont assez souvent liés, imbriqués, hein, parce qu'il faut que vous ayez le bon mindset, vous soyez dans le bon état d'esprit pour être au top et pouvoir développer votre business de façon optimale. Okay? Ensuite, on a en troisième partie, donc la troisième raison, ce sont les priorités qui diffèrent. Les priorités que vous avez ne seront pas forcément celles que votre femme ou votre mari aura. Parce que le travail va généralement prendre le dessus en termes de priorité dans votre esprit. Ça vous bouffe. L'entrepreneuriat, ça vous bouffe. C'est une compagne jalouse. D'accord ? C'est un partenaire très jaloux. Et du coup, vos priorités vont se retrouver en conflit avec celles de votre conjoint ou de votre conjointe et donc avec les priorités de la famille aussi. Et c'est assez souvent difficile parce qu'on a l'impression que vous n'accordez pas d'importance à ce qui est du ressort familial, privé, alors qu'au fond, ce n'est pas forcément le cas. Vous aimez votre famille de tout votre cœur, vous avez envie que votre relation marche, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous ne faites pas suffisamment d'efforts pour équilibrer les choses et que les autres en face ont besoin de ressentir votre implication aussi. Parce qu'après tout, la famille, c'est la première entreprise que nous ayons tous. Tout le monde est entrepreneur parce que tout le monde a une famille. Mais ce n'est pas simple dans les faits à mettre en pratique. Et ça demande du temps, ça demande du recul, de la hauteur, ça demande un peu d'intelligence et ça demande beaucoup de volonté. Vous devez avoir envie d'y arriver. Vraiment. L'ex-femme de Jeff Bezos, hein, Mackenzie Scott, l'a dit dans certaines interviews que voilà, elle avait l'impression parfois qu'elle comptait pas, quoi. Donc ça, c'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on est avec un entrepreneur. Et l'entrepreneur doit justement faire attention un peu à ça. Ça me ramène encore à l'intelligence émotionnelle, aux soft skills. Il faut savoir gérer un certain nombre de choses, ce qui m'amène au point 4, qui est lié, comme la plupart de tout ce que je dis. Les problèmes de communication. Les entrepreneurs ont ces problèmes-là en couple. Même quand ce sont de bons leaders au boulot, de bons managers, ben en couple, assez souvent, ce sont de piètres communicateurs parce que justement, ils n'ont pas compris qu'il y a des conflits entre leurs priorités et celles de leur famille. Ils ne le voient pas. C'est comme s'ils ont des œillères. Ils sont obsédés par leur business.
parce qu'il faut que ça marche et il y a de la pression, etc., etc. Tout ce que nous avons déjà dit. Et finalement, ben, si la famille ne comprend pas, que vous n'avez pas compris, ben, les problèmes de communication se posent. Absolument. Vous devez apprendre à vous asseoir pour échanger avec les gens de votre famille parce que la communication, c'est la clé dans toutes les relations humaines. Il faut pouvoir expliquer que vous avez un plan, que vous voulez atteindre un certain objectif et que la famille devrait vous donner un peu de temps, etc. C'est du management. Il faut manager le couple. Si vous ne le faites pas et que vous êtes tout le temps braqué parce que vous pensez que les autres ne vous comprennent pas, que ceci, que cela, nanani, nanana, ça n'ira nulle part. C'est clair et c'est net. OK ? Et la cinquième raison, celle qui, selon moi, est la plus importante, qu'il faut identifier, comprendre et solutionner rapidement, c'est l'instabilité financière. Les entrepreneurs ont souvent de nombreuses difficultés financières. Moi, il est arrivé des périodes où, pendant plusieurs années, tout le monde était payé autour de moi, tous mes collaborateurs, tous les prestataires, etc. Et je n'avais plus de salaire. C'est-à-dire que moi-même, j'avais des difficultés financières, mais tout le monde était payé autour parce qu'il fallait. L'entrepreneur paie d'abord, hein. Il va payer les taxes, il va payer des employés, les taxes, s'il y a des prêts, etc., etc. Et s'il reste quelque chose, il se paiera. Ou il aura des dividendes. Et ça, ce sont des cas récurrents. Pas forcément au début, hein. Parfois en plein milieu, parfois après 5 ans, 10 ans, ou même plus d'expérience, ou de voie entrepreneuriale. OK ? Donc ça, c'est difficile parce que la famille va en pâtir. L'entrepreneur prend des risques qui parfois rejaillissent sur sa vie privée. Lorsqu'un business n'a pas fonctionné ou lorsqu'il y a une passe difficile, parfois le business tourne même. Mais il n'est pas encore arrivé à un niveau de rentabilité tel que l'entrepreneur puisse véritablement survivre. On n'est pas à la Silicon Valley, hein, où les gens sont capables de financer votre business pendant 10 ans ou 15 ans lorsqu'ils voient le potentiel à long terme et qu'ils continuent à réinjecter de l'argent. On n'est pas à la Silicon Valley. Donc dans les contextes africains, c'est très compliqué. Même quand il y a du potentiel dans une boîte, si elle ne commence pas à générer de l'argent, eh bien, le noyau commence à s'effriter parce que les gens ils n'y croient plus trop. Même quand le potentiel à moyen ou long terme est connu de tous et évident. D'accord ? Donc ça, c'est votre famille qui va en pâtir et vous pouvez avoir votre femme ou votre mari qui vous dit « Oui, mais non, nous, on galère toujours. Pourquoi est-ce que nous, on ne va pas en vacances ? Pourquoi on a toujours des difficultés ou qu'on est sur le fil du rasoir ? Je ne suis pas d'accord. » Nanani, nanana. Même quand la personne au départ avait signé et connaissait les enjeux. Oui, bon, au début, on se dit « Je sais. » Mais après, en cours de route, hein, je savais que ce serait comme ça, mais je ne savais pas que ce serait aussi dur. C'est ce que vous allez entendre souvent. Et en bonus, je rajouterai une sixième raison qui est connectée à celle-ci, c'est que les entrepreneurs ne se sentent pas soutenus. De la même manière que la famille, elle, va se sentir incomprise, ce qui crée les problèmes de communication, l'entrepreneur ne se sent pas soutenu. Il ou elle se dit, ouais, mais normalement, je dois être soutenu d'abord par ma famille. Ça veut dire que ma famille doit comprendre les difficultés que j'ai et qu'on ne doit pas être trop exigeant avec moi. Ah, ben, la famille, elle aussi, elle a des besoins. Donc, les deux parties ont raison. Et il n'y a que la communication qui puisse gérer ça. Parce que l'entrepreneur, s'il a du soutien dehors, auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients, de ses partenaires, etc., parce que les gens l'encouragent dans son initiative, dans ses projets, et qu'on admire sa ténacité, qu'on admire sa résilience, sa créativité, tout ce que vous voulez, mais qu'il rentre chez lui, qu'il n'a pas l'impression d'être soutenu, qu'il a l'impression d'être pressurisé, ça va forcément mal se terminer. Voilà les raisons pour lesquelles de nombreux entrepreneurs, pour ne pas dire la plupart, en tout cas ceux qui sont des entrepreneurs à succès, sont divorcés ou finissent par divorcer, ou alors ils multiplient les relations, les unions, parce qu'il y a de nombreux facteurs sur le chemin qui rendent difficile le fait d'établir une relation solide et durable avec un partenaire lorsqu'on est entrepreneur. J'espère que cette vidéo vous aura édifié et que vous comprendrez que vous avez un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur pour améliorer les choses dans votre vie privée, si vous le désirez. Si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous suivez cette vidéo, j'espère que si vous êtes avec un entrepreneur, vous comprendrez qu'il y a certains sacrifices et certaines habitudes qu'il faut développer, des sacrifices à faire et des habitudes à développer, à accepter pour faciliter le chemin
et accompagner le voyage vers la réussite. C'est difficile de vivre quand on n'a pas de l'argent et que les autres autour ont de l'argent. C'est difficile d'être sous pression, c'est difficile de ci, de ça. Encore une fois, si vous avez besoin d'être accompagné, bookez une séance de coaching avec moi. Le lien en description et j'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner. Mon expérience personnelle ainsi que celle que j'ai accumulée en accompagnant des personnes, des institutions, des personnes physiques et morales, donc depuis de nombreuses années, sont mises à disposition justement de mes clients lors des séances de coaching. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur ces défis-là hein, de la vie privée ou personnelle des entrepreneurs. J'espère que ça vous aura édifié. Ce n'est pas, encore une fois, pour décourager les entrepreneurs, mais c'est pour les aider à comprendre un certain nombre de choses, les accompagner, avoir un discours franc et ne pas être de ceux qui vendent du rêve ou du vent. On ne va pas s'inscrire là-dedans, ce n'est pas la philosophie rock. Nous rêvons, nous osons, nous créons ici, mais avec beaucoup de lucidité. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Ça nous encourage à continuer à proposer du contenu propulsif pour vous. Partagez cette vidéo, ne la gardez pas que pour vous. Il faut que l'information circule pour que le maximum de personnes soient édifiées. Et puis en attendant qu'on se retrouve, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.